petite girole, donc. C'est le même principe, le même procédé que le pied de mouton avec le pinceau, sauf que là, donc on va couper notre pied et on va venir vraiment éplucher le pied délicatement avec la lame du couteau. Donc je m'arrête au niveau donc des alvéoles hein, et là je viens délicatement avec la lame de mon couteau enlever la première couche. Et maintenant, bah, même motif, même punition, notre petit broc, nos petits pinceaux. Alors ça, quand c'est assez gros comme ça, on peut venir les récupérer délicatement avec la pointe du couteau. Et là, la particularité de la girole, c'est que le dessus est assez facile à faire. Hein. Mais le dessous, il faut faire attention parce que toutes ces petites alvéoles sont super fragiles. Donc, tout doucement. Eh bien, écoutez, girole, on est bon. Vous serez incollable sur maintenant laver vos beaux champignons de votre récolte dominicale. Plus qu'à les cuisiner. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Je suis fou de lavage de champignons.